J'ai commencé à travailler avec le noir. Je pense que l'idée m'est venue quand j'étais en Suisse. J'ai vu aussi que automatiquement que le noir m'allait très bien et que je me sentais à l'aise avec cette couleur, ce qui n'était pas le cas avec la couleur blanche, parce que quand je peignais sur un fond blanc, je me perdais. J'arrivais pas à me concentrer. Je trouvais que les dessins étaient très légers et j'avais tendance soit à charger trop la peinture, la toile de couleurs, ou de ne pas en mettre autant. Je trouve aussi que c'est une couleur qui est très noble. C'est une couleur qui est pure. C'est une couleur qui est magnifique, qui est très 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 beau personnellement. Et je fais aussi référence à ma couleur de peau, au monde noir, et j'essaie aussi de glorifier la culture noire, de glorifier l'Afrique à travers cette fond noir, parce que ouais, en fait, j'utilise le Tipex pour dessiner des formes. La toile peinte fait 2,50 m, 50 et quelques, mais sur châssis, ça va faire 2,40 m. La dimension, c'est 2,40 m sur 2 m. Pour moi, ça parle de la réconciliation, de l'union des forces, et aussi de l'Afrique qui peut être un Afrique vainqueur, un Afrique qui gagne, hein. Pas un Afrique qui demande ou qui tend toujours la main, mais un Afrique qui participe au Conseil des Nations. Et c'est pourquoi j'ai représenté ces deux personnages avec des têtes de trophées. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans l'atelier, il y a beaucoup de trophées que je collectionne, que j'utilise, que voilà. Et orange, on est déjà programmé. Pour moi, hein, on sait que les bleus sont là, les rouges sont là. Donc là, c'est très, très. Et puis, comme moi, j'adore tout ce qui est spontané, tout ce qui est un peu, qui n'est pas dans l'ordre des choses. Hein. Diriger, en fait, sélecteur ou voilà, avec la. J'ai envoyé par email à 10 dans sa boîte email. Et une fois par WhatsApp et une fois par email, j'ai essayé avec ton email. Oui. La particularité avec Omar Ba, c'est qu'il renouvelle la peinture, il réinvente la peinture, il recrée à l'intérieur de ce médium de prédilection quelque chose de nouveau que nous n'avons pas l'habitude de voir, au point de vue de la technique qu'il emploie, au point de vue des matériaux qu'il utilise, au point de vue de la composition et de l'agencement. J'ai pas fait une étude de tous les lauréats de la Biennale pour voir un peu sur quels critères. Les thématiques qu'il aborde sont des thématiques qui sont innovantes dans ce sens où c'est politique, c'est économique, c'est social, mais la manière dont il les agence nous fait découvrir la peinture sous un autre angle. Et c'est pour cette raison-là que sa présence était nécessaire et d'autant plus pertinente dans cette biennale de Dakar. Oui, porte-moi, porte-moi, porte-moi.